Salut à toutes et à tous, c'est Pilote GG. Retrouvez-moi sur ma chaîne Odyssée@PiloteGG. Vous retrouvez l'ensemble de toutes mes vidéos révélations et notamment celle de Plandemic à voir absolument. Je vous laisse les liens sous cette vidéo. Humain, bonjour. Comment racontera-t-on l'an 2020 dans le futur ? Était-ce l'année du grand réveil dans les consciences ou l'année de la grande oppression? Le début de la fin? La fin de la liberté? La nouvelle liberté dans une dictature sanitaire? Ou bien la fin de la tromperie? Tout a été dit. Nombreux sont les avis sur le Covid-19, sur les mesures durant la pandémie. Pour certains, les manifestations n'ont pas été poussées. Pour d'autres, les mesures représentaient une protection contre un dangereux virus. Les uns ont peur d'une dictature, les autres ont peur de la mort. Entre les deux, il ne reste plus de place pour le débat. Mais peu importe, un débat ouvert n'a jamais eu lieu jusqu'à présent. Les critiques sont ignorées, dénoncées et au final censurées. Un débat ouvert serait si important pour les humains. Il serait si important pour une société libre, il serait si important pour la justice. Nous vous montrons que ce débat est absent. Vous nous avez muselés, vous nous avez interdit notre liberté d'expression, d'abord censurée sur le net et désormais dans la rue. Notre présence est le témoin de votre échec. Notre silence est le témoin de votre crime. Vous ne pourrez pas vous en cacher. Nous sommes nombreux et nous sommes partout. Berlin, Dresden, Vienne, Francfort, Hambourg, Leipzig, Hanovre, Cologne, Dortmund, Cottbus, Duisburg, Linz, Eberswald, Koblenz, Nuremberg, Valheim, Regensburg, Zeitz, Rostock, Stuttgart. Retenez la date du 22 novembre 2020. Nous vous montrons que le débat doit avoir lieu. Nous vous montrons que nous sommes là. Même si vous nous muselez, même si vous nous étouffez par vos mesures, nous sommes là. Nous sommes présents, même en gardant le silence. Nous vous rappelons l'injustice que vous infligez aux humains. Nous sommes votre conscience. Nous sommes silencieux, mais nous avons des choses à dire pour notre société, pour notre démocratie, pour la liberté, pour ta liberté. Le 22 novembre 2020, partout,